Cette coalition de partis politiques a visité le bassin versant de Nzaïon afin de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de ce chantier. Simon, Adolphe et Vuna, porte-parole de la coalition. Nous estimons que c'est un travail bien fait, c'est un travail digne de l'auge. Nous ne sommes pas une opposition qui est focalisée, qui soutient mordicus la terre selon laquelle l'opposition s'oppose, le gouvernement gouverne. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Aujourd'hui, le marathon de l'opposition que nous représentons va s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays. Rodrigue Maïssa Koma, leader de la société civile, a profité de l'occasion pour appeler les populations à faire preuve de civisme. Aux alentours, on peut quand même déplorer l'incivisme des populations. Parce qu'on a vu dans les bassins versants certains éléments, des chaises, que certaines populations commencent à jeter, des sachets. Et c'est l'occasion pour moi, ici en tant que leader de la société civile, de dire à ces derniers, on veut que le Gabon devienne en quelque sorte un petit Paris, mais on a notre rôle, nous aussi, en tant que population, à jouer. Quand on demande au gouvernement de poser des actions, il est aussi de notre devoir d'entretenir ce qui est déjà bien fait. Pour rappel, le congrès de l'opposition républicaine et patriotique compte cette partie et c'est le 20 janvier dernier que l'annonce de la création de la dite coalition a été faite au cours d'une réunion.